Le military, alors le military c'est 6 sons, donc c'est une combinaison du baby et d'un mouvement du crossfader. C'est assez simple puisque les cinq premiers sons sont en fait le mouvement du baby, donc aller, retour, aller. Donc aller, retour, aller, retour, aller. Ensuite on coupe au crossfader pour le retour et on laisse juste l'aller. Et on recoupe une deuxième fois pour le retour. Donc ça donne. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà, donc il y a deux retours qui sont coupés. Donc on obtient 6 sons, puisque le baby, donc on fait 5 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, on coupe. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, plus un aller, ce qui donne les 6 sons. Là, je le découpe un peu dans le mouvement du dragging. Ensuite, le mouvement du dragging, en fait, est continu. Donc le baby est infini, comme pas mal de combinaisons scratch, et en fait c'est juste le mouvement du crossfader qui modifie le son puisqu'on coupe deux retours. Donc en fait avec le mouvement du vinyle on fait 8 allers-retours, et comme on coupe deux retours on se retrouve plus qu'avec 6 sons au lieu des 8. Voilà, en faisant les mouvements du baby sans faire de pause, ça donne ça. Alors là, je positionne ma main bien au centre du vinyle pour en fait avoir une grande amplitude. On n'est pas obligé, on peut aller plus loin pour être à la limite un peu plus précis, pour rester bien dans l'attaque. Et le mouvement, donc c'est vraiment ça. Et bien entendu, petit à petit, ben, on accélère. Jusqu'à obtenir quelque chose comme ça. On va le faire sur du son. Bien 6 sons, donc les 8 allers-retours du baby, comme on coupe de retour, on en a 6. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir dans la tête, c'est ta la 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 la, ta ta la 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 la, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les mouvements du crossfader, quand on va à la vitesse où là je le fais, reviennent à un tout-click flair, puisque, enfin un tout-click, c'est pas le flair, puisqu'on coupe pas à l'intérieur du sang, puisqu'on fait deux coupures, l'une derrière l'autre, consécutivement, pour couper les deux retours. Comme le mouvement du dragging est très rapide, bah, les mouvements, forcément, comme ils sont associés, au dragging, les deux mouvements de crossfader sont très rapides aussi et reviennent en fait, donc avec la vitesse, à deux clics, puisqu'on coupe les deux retours qui sont en trop dans les 8 sons pour n'obtenir que les 6 sons pour faire le military. Au ralenti,
ça donne pas la sensation du tout clic. Mais quand on accélère le mouvement, c'est vraiment juste deux clics avec le crossfader. Voilà, donc bien attraper le crossfader, pas comme je viens de faire là par exemple. Sinon, la combinaison n'est pas bonne. Voilà pour le Military Scratch, c'est la guerre.